Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Battlefield 5 sur Xbox One X. En fait, je devais pas faire de vidéo sur ce jeu, surtout que là, puisqu'il est même pas sorti. Normalement, le jeu il sort, il me semble, aux alentours du 20. Je devais pas faire de vidéo sur le jeu parce que je devais pas l'acheter. Et il se trouve qu'avec l'EA Access, je peux y jouer une dizaine d'heures. Donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur la campagne solo, une petite découverte. Par contre, je ferai pas de vidéo sur le multi. Tout simplement, avant qu'on joue, je vais vous expliquer un peu. Parce que le jeu, je voulais pas l'acheter, pas parce que j'aime pas Battlefield. Simplement parce que c'est des jeux qui se jouent principalement en multi, Battlefield encore plus en équipe, avec des potes, parce qu'avec des inconnus, bon voilà. Et moi, voilà, c'est pas mon truc. Moi, autant la compétition pour plein de choses, je suis totalement pour et je suis compétiteur. Mais alors le jeu vidéo, alors je respecte tout à fait les gens qui font de la compète, mais alors moi, la console, c'est pour me détendre avec les semaines de boulot que je me tape, voilà. C'est pour me détendre, donc passer des heures à m'entraîner sur la même map avec telle ou telle classe, telle arme, tel machin pour essayer de réussir à faire quelque chose, c'est pas mon délire. Ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Et j'ai un pote qui fait ça très bien d'ailleurs. Moi par contre, voilà, ça m'intéresse absolument pas. Donc on va se faire une petite découverte de la campagne et je pense qu'on fera pas de multi parce que demain, au moment où je tourne cette vidéo, demain je vais recevoir la compile de Spyro. Et je vais vous faire une ou plusieurs vidéos dessus. Alors, pas forcément le jour de la sortie. Hein. Et peut-être pas forcément une découverte, mais peut-être juste du gameplay pour vous montrer un petit peu. Pareil, je capturerai en 4K et tout. Mais donc là, on va y aller. Donc, j'ai laissé tout le grain. J'ai laissé. J'ai mis la sensibilité à 30, je crois. On va voir. Comment on s'accroupit comme ça, ok. Vous allez voir, je suis ultra nul. Hein. Et je suis déjà en train de crever. Par contre, j'ai même pas choisi ma difficulté non plus. Du coup, je sais même pas en quelle difficulté on joue. Donc, on est sur One X. Donc, en 4K. Bon, là, pour l'instant, c'est assez sombre. Mais avec le HDR, moi, j'ai le HDR en plus. Je peux vous dire que il y a des beaux effets de lumière déjà. C'est fou parce que dans les anciens, je trouvais que. Je trouvais que la sensibilité était jamais bonne. Il fallait toujours y toucher. Oh putain. Je me suis fait buter. Oh le con. Mais là par contre, elle a l'air vachement. Alors c'est quoi, c'était scripté, non? Non. Oh, c'est parce qu'il vient m'aider. Franchement, si c'était pas scripté et que le mec il est juste venu m'aider, c'est bien foutu. Mais alors, pour le coup, là, je sais plus où c'est. Je trouve que la sensibilité, par rapport au précédent, est vachement. Enfin, c'est plus sensible. Alors, vous m'excuserez si vous entendez du bruit derrière, j'ai tout fermé. Mais j'ai un voisin un peu fou. Enfin, je sais pas, fou non, mais quand il fait des travaux, lui, il rigole pas, il fait venir une pelleteuse. Je vous jure, il y a une pelleteuse devant là. Il est en train de creuser des trous. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Dans sa cour, hein, je vous rassure, il creuse pas des trous dans la rue. Mais il creuse des trous, le mec. Oh putain! Là, on est dans la merde. Hein. Alors, il y avait une intro au début que j'ai passé. Hein. Par contre, je vous le dis. Mais là, à mon avis, il va nous montrer plusieurs lieux. Mais il y avait une petite intro au départ. Je l'ai passé. Histoire de raccourcir un peu le temps de la vidéo. Parce que je voulais pas vous faire une vidéo super longue non plus. Oh putain. Ah là par contre j'avoue c'est super beau, on va pas se mentir sur la One X, bon bah ça tourne 4K, HDR, c'est fluide pour l'instant en tout cas.
putain. Ah, je suis déjà nul avec un perso. Si en plus vous me donnez un tank à diriger, les gars, vous avez pas peur. Ils ont pas peur, les mecs, hein. On va tout péter. Oula. Pas trop sur quoi je tire. En tout cas, putain, avec le HDR. C'est bon. Moi, c'est toujours ça à chaque fois. C'est même pas la 4K qui me... Parce que ça, c'est accessoire, à la limite. C'est le HDR, surtout. On a un rendu, des couleurs et tout. C'est de la folie. C'est de la folie. Puis alors, au niveau sonore, j'ai des oreillettes, là. Des petites oreillettes JBL, hein. Pas des oreillettes de ouf non plus, hein. C'est pas des haut de gamme de chez JBL, mais... Ça envoie déjà bien. L'Algérie. Et en plus, ça a l'air super fluide. Hein. Donc ouais, grâce à l'EA Access, je peux vous faire cette vidéo bien avant la sortie. Et je pouvais même la faire encore avant. Et puis surtout... Enfin, je peux essayer 10 heures à peu près. Putain, c'est un snipe. Si vous butez mes bonhommes. C'est sûr que je suis plus lance-roquette que sniper, moi. J'espère qu'on va pas entendre l'autre fou avec sa pelleteuse, là. On fait péter le pont, ces cons-là. Oh, putain. Bon. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Ils nous font vraiment tout tester. La musique est géniale. Ouais, donc là je ralentis, là j'accélère. Et la musique est sublime là. Franchement. Wow! Je vais peut-être galérer un petit peu parce que le. Les commandes sont inversées, mais j'ai pas envie d'aller fouiller dans les options encore. On va se débrouiller comme ça. Si c'est qu'une petite séquence. Mais là, la musique est vraiment géniale. Par contre, les gars... Si on me demandait de viser des avions, sans déconner, vous avez confiance, parce que là... J'ai un petit peu de mal à me diriger. On va pas se mentir. Je crois qu'on peut changer la vue.
pourrais pas vous dire comment, par contre. Mais je crois qu'on peut, hein. Je suis le pilote le moins discipliné du monde, je me barre à droite, à gauche. Hop. Airmen, infantry, volunteers, conscripts. Them and us, it didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory. Meant staying. Ouais, il y a un petit grain effectivement à l'image. Je l'ai laissé, hein. Je sais pas ce que ça donnera à la capture, mais je trouve ça plutôt sympa, moi. Ça donne un petit côté cinéma. Prendre cette arme, elle a un sacré recul. Utiliser ce truc. Vous allez danser les gars, un petit peu. Là-bas. Mais la sensibilité, je la trouve même encore un peu trop... C'est fou parce que je vous jure que j'ai joué un petit peu au Battlefield 1, j'ai joué un petit peu au Hardline, j'ai joué un petit peu au 4, enfin j'ai joué un petit peu à tous quasiment. Et je la mettais genre à 40 quoi. Et là je la trouve encore un peu trop. Ou alors c'est parce que ça fait un moment que je me réhabitue. C'est peut-être ça. Ah ouais, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, tu te bats. Parce qu'il faut quand même rendre hommage aux soldats, quel que soit le pays. Hein, parce que même du côté allemand, il y a des mecs qui ont rien demandé et qui se sont retrouvés là et qui n'étaient pas pour... qui n'étaient pas pour Hitler, qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui se sont retrouvés au front parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont dû fermer leur gueule et y aller. Et la guerre, c'est sale chez tout le monde, de tous les côtés. Il y a des gens qui souffrent de tous les côtés. Encore une fois, il y a une musique de ouf.
derrière. Bon, voyez. En tout cas, c'est plutôt vachement beau. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je me dis qu'on est déjà à 15 minutes. On a fait que la petite intro là. J'aurais peut-être dû jouer cette intro avant et prendre la vidéo après. Mais bon, je veux pas trop vous spoiler non plus, donc pas trop vous en montrer. Ça a l'air plutôt cool en tout cas. Après, moi je vous dis, je l'achèterai pas pour autant, je pense. Peut-être un peu plus tard quand il sera moins cher pour faire la campagne, peut-être. Qui a l'air plutôt cool. Mais là, comme ça, à prix fort, non. De toute façon, sur ce mois de novembre, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas, je vais pas vous présenter. Bah, Hitman, Fallout, tout ça. C'est des trucs que je vais pas. Donc là, on peut reprendre. Ou alors on peut. En fait, j'ai pas envie de vous faire de multi, mais en même temps. Non, ouais, là. Donc on a fait l'intro. On va faire ça. On va se mettre en normal. En fait, j'ai pas pu choisir de difficulté avant, mais c'était normal. On va se mettre en normal. On fera peut-être pas la mission entièrement parce que ça va être long. Mais ça permettra de voir après l'intro un petit peu le jeu de manière un petit peu plus libre. On va voir. Mais cet EA Access, c'est plutôt pas mal parce que ça vous donne accès à des jeux comme celui-là en avance pendant 10 heures. Et ça vous donne accès aussi à une soixantaine de jeux. Alors il y a beaucoup de jeux 360, il y a quelques jeux de la première Xbox aussi. Et des jeux One que vous pouvez télécharger, auxquels vous pouvez jouer pour 4 euros par mois. C'est que des jeux EA évidemment. Après le Game Pass lui est un peu plus cher, mais le Game Pass il y a plus de choses, c'est pas que des jeux EA. Mais j'ai trouvé cette alternative plutôt sympa pour vous faire cette vidéo. Et à l'avenir, je vous ferai peut-être quelques vidéos de cette manière-là pour des jeux qui me déplaisent pas mais que j'avais pas l'intention d'acheter. C'est comme Hitman 2. J'ai le premier sur PS4 Pro. Hitman 2, je le trouve pas nul, ça me déplaît pas. Mais c'est pas trop mon genre, c'est pas trop mon style, Hitman. Moi, je suis plus Bazooka, je suis plus Bulletstorm, si vous voulez. Par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris le 2, parce que j'ai le premier. Avec tous les épisodes, j'avais pris la version Ultimate, je sais pas quoi, enfin la version où il y avait tous les épisodes. Donc voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin d'acheter le nouveau. You Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery. Ça fait beaucoup de choses quand même. Attempted armed robbery. You try and rob the same bank 3 times? No. Oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them troubles from your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Je vous laisse lire les sous-titres, hein. Je les ai mis exprès. J'avais vérifié avant dans les paramètres. Ah oui.
Times are two. Move. Oi! I'm sick. I'm chucking me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, Bridge, you're livening yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Mais en plus, c'est vraiment fluide. Je me souviens pas que Battlefield 1 était fluide comme ça. Après Battlefield 1, j'y ai pas joué. Est-ce que j'avais déjà. Non, j'avais pas la PS. J'avais pas la PS4 Pro. Je crois que j'avais encore la normale. Je sais plus. Je me souviens plus. En tout cas, sur le EA Access, il est disponible Battlefield 1. Pour ceux qui voudraient. Le 4 aussi d'ailleurs. Ça, c'est des jeux qui se démodent pas en général. Même quand le nouveau sort. Pourquoi je. Je peux pas. Je veux bien le suivre, mais je peux pas courir. Ah si, ça y est. C'est des jeux qui se démodent pas trop, il y a toujours du monde sur le multi. En plus je suis con, de toute façon je vous ai parlé du multi, mais j'ai pas de gold là, donc de toute façon, j'ai plus de gold pour l'instant. J'ai renouvelé celui de la Play ce mois-ci, je reprendrai à la Xbox plus tard, quand on aura Red Dead Online peut-être, pour essayer. Raté. Bon, on va se faire 10 petites minutes encore, je pense, et on va s'arrêter là. Je vous dis ça, puis ça se trouve, dans une demi-heure, on y est toujours, mais... je ne pense pas. C'est bien, c'est qu'avec l'intro, on a pu voir plusieurs décors différents pour vous montrer un peu aussi comment c'est graphiquement sur One X. Pour voir que c'est quand même super beau. Et dites-vous que moi, en plus, en vrai, j'ai pas la compression YouTube, la compression de la capture, et que j'ai le HDR, donc c'est encore plus beau. Mais vous voyez déjà ce que ça donne sur YouTube, c'est déjà pas mal. Je vois beaucoup de monde. Il y a des alarmes. Il va falloir faire attention à ça. Et là, il va certainement y avoir plusieurs moyens. Voilà. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's gonna be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller tranquillement. Ce qui n'est pas ma qualité première. Are you sure about these bombs, Loss? These safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave me here? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me. Carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them now. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy. Whoa, whoa, whoa! Fuck this for a game of soldiers. Yeah, mec là-haut. Si je pouvais le niquer doucement, un petit coup de couteau comme un connard. Hop, discretos. L'alarme, elle est là. Ah, si je tire dedans, ça marche pas. Les enculés. Et ta mère l'alarme.
Allez, on va courir un petit peu. Je suis un petit salopard. Comme un fourbe. De toute façon, c'est la guerre, on n'est pas des enfants de cœur. Mais neutraliser les alarmes, ça me semble être une bonne idée. Parce que sinon, à mon avis, ça arrive en masse et on n'est pas bien. Le camion, là, on peut l'utiliser? Je sais pas, je pense pas. En tout cas, il n'y a pas à dire. DICE, ils sont toujours très forts avec le moteur Frostbite, là. On va essayer de monter par les cailloux. Visiblement, il y a plusieurs chemins possibles en plus maintenant pour atteindre les objectifs. Donc ça paraît plutôt sympa. Ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Là-haut. Je les avais pas vus ceux-là. Ta maman, le petit connard. Putain, je suis vraiment nul, hein. Sans déconner. Lui, il m'a mis deux plombs là. Putain. On va aller se mettre à couvert. Ah, et la vie, elle descend vite. Hein. Pourtant, on est en mode normal. Hein. Oh putain, une grenade. Voilà, je pouvais pas m'en sortir en jouant comme ça. C'était pas possible. De toute façon, on va arriver à une demi-heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Non, j'ai pas d'arme pour le niquer, lui. Mais on va essayer, si possible, de passer par là. C'est un sniper, ça. Vous voyez, je me connais en fait. Je vous dis, on va arrêter, mais.
J'arrête rien du tout au final. On va ramper dans les herbes. Voir ce que ça donne. Tiens. Ta maman. Vos mamans. Oh putain, il y a une grenade derrière moi. J'en ai moi des grenades? Je sais même pas si j'en ai. Oui, j'en ai apparemment. Non, c'est pas une bonne idée de prendre ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment visiblement plusieurs manières de jouer. Il y a plusieurs chemins. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool, par contre. Ça, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. On va essayer de rentrer dans le hangar et puis on arrêtera là. Je pouvais pas trop éveiller les soupçons de l'autre côté, ce serait pas mal. En passant par là, en niquant seulement les mecs qui sont par là. Oh merde. Ah, j'ai jeté un truc, mais c'est un caillou, je crois. Là, je peux pas trop me balader comme ça parce que l'autre il va me voir. Il y en a un autre là-bas. Les bidons là, je vais pas tirer dessus, ils sont pas rouges, donc à tous les coups, ils vont pas exploser. Ta mère, toi. Ah putain. Putain. Faut que je me tire de là. Et vite. Surveiller l'autre connard qui monte. Ouh, ils sont fous, eux. Nique-toi, petit bonhomme. Bon, je suis désolé si on entend la pelleteuse.
Il est où l'autre? Oh putain, il a un lance-flamme ce con. Mais là, je me fais... Bon, je suis parti au suicide. Écoutez, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin parce qu'on a passé les 30 minutes. Et la vidéo va être super longue à monter et à uploader. Alors longue parce qu'elle est en 4K et elle est rendue en 4K, même avec un bon PC, c'est assez long. Et puis elle va être longue à uploader aussi parce que forcément elle va être lourde. Donc je vous remercie. Voilà, c'était Battlefield 5, c'était la campagne solo. Donc je vous ai pas montré grand chose, mais le but c'est quand même de pas trop vous spoiler. On a fait l'intro, donc on a pu voir plusieurs décors. On se retrouve dans les jours à venir pour Spyro. Je sais pas quel jour, je pense pas le jour de la sortie. Donc je ne sais pas quel jour. Mais en tout cas, dans la semaine, il y aura des vidéos sur Spyro. Je pense que celui-là était peut-être plus attendu que Spyro. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en priorité. Mais voilà, bon. Ça a l'air plutôt sympa en termes de campagne et tout. Mais je pense que je le prendrai peut-être quand il sera d'occasion, pas trop cher et tout. Je le trouverai bien à un moment donné. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.